C'est important pour vous de travailler avec des partenaires locaux de terrain ? C'est très très important parce que, comme j'ai eu l'occasion de le dire pendant le débat, l'aspect communication, l'aspect information de la population est très important. Et donc ça, c'est le rôle aussi des acteurs de santé publique, donc aussi par exemple au niveau de l'OSH qui fait un travail remarquable à ce niveau-là. Mais parallèlement à ça, il faut un travail sur le terrain, il faut un travail structurel pour que les choix qui soient favorables à la santé soient des choix aussi qui soient faciles, accessibles, aussi bien au niveau financier qu'au niveau pratique pour la population. Et donc là, le rôle vraiment des politiques locaux est extrêmement important. On parlait tout à l'heure des pistes cyclables, c'est un très bel exemple, par exemple, de favoriser le déplacement actif en sécurité pour tout un chacun. Vous avez aussi évoqué le problème du regard de la population sur les gens qui sont différents. Ça vaut, on le sait, pour les personnes handicapées, mais aussi étrangement pour les personnes malades, les personnes qui sont atteintes de cancer. Oui, c'est un fait, hein. Je veux dire, la maladie fait peur. Et donc, en plus, le cancer était encore perçu longtemps quand même comme une maladie qui, à 100%, était suivie d'un décès. Or, les choses, heureusement, grâce à la recherche scientifique, évoluent de plus en plus. Et donc, on évolue finalement souvent maintenant vers des maladies chroniques. On a 62% à peu près des cancers qui vont être guérissables. Donc, on peut vivre et vivre très longtemps avec son cancer. Et donc là, il faut que les mentalités évoluent. Et il faut qu'on voit que la personne malade, c'est aussi une personne qui vit, une personne qui a besoin de contacts sociaux et une personne, notamment par rapport au sport, qui peut en tirer un grand bénéfice. Et donc, il faut vraiment changer son regard, faire une place pour cette personne-là, adapter peut-être aussi les activités qui sont proposées, donc adapter aussi les mentalités dans les clubs. Hein. Il faut évoluer par rapport à ça et vraiment leur laisser un espace.